Salut, salut! Un petit retour sur Street Fighter V. Je voulais vous montrer un peu les nouveaux persos, surtout en particulier Ibuki, qui est un perso de Street Fighter 3 à la base, mais qui a été pas mal modifié, qui ressemble beaucoup moins à ce qu'on avait connu avec elle. Elle n'a plus de shuriken infini. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et aussi en même temps essayer de vous montrer les étapes petit à petit sur les coups de base jusqu'à attaquer des choses beaucoup plus complexes. Donc, c'est parti pour déjà le mode entraînement. Là j'ai débloqué quelques nouvelles maps. Personnellement la nouvelle map que je préfère c'est à la plage. Là ça fait un bon moment que j'ai pas joué. Je fais un petit peu de classé mais avec Ibuki j'ai pas encore le. Enfin, je me débrouille pas encore assez bien. Parce que elle demande vraiment des choses pas évidentes à faire, je trouve. Donc, pour la distance des lights, le plus intéressant c'est surtout celui-là en fait. Et en plus, il est cancellable à la base. Donc, au niveau des pocs, c'est mieux de le faire avec celui-là. Le médium, celui-là, il n'est pas cancellable, mais par contre, on peut faire un target combo. Et on peut embrouiller aussi derrière. Attendez. Bon, et on peut se rapprocher. De préférence, on fait une chop. Pas ça. Désolé. Comme vous voyez, on peut même passer derrière pour embrouiller. Donc ça c'est la face embrouille. Après, je sais pas s'il a des coups prioritaires. Il faut que je vérifie ça. Pour ça, je vais choisir d'enregistrer. Contrôler par le joueur. Non, pas contre... Ah, voilà, enregistrement. Apparemment, c'est pas, il n'y a pas des priorités. Non, il a pas de bloc. Non, il peut pas encaisser un coup. L'enregistrement. Par contre, on peut taper sur le point. Ouais, celui-là il est vraiment bien celui-là. Pour le footsie, le médium est vraiment bien. Non. Non, il est pas prioritaire en fait. Bien sûr. Si, il est pas prioritaire. Celui-là, il a une très bonne priorité apparemment. Par contre, ouais. Faire à bonne distance. Au niveau des normaux. Il y a celui-là qui a une bonne distance aussi. Ah, celui-là au niveau des priorités, c'est pas terrible. Voilà.
peut être intercepté. Ouais, donc j'ai pas trouvé de... Enfin j'ai pas les... les coups, mais apparemment celui-là il peut pas... Ouais. Le médium. Donc apparemment les prioritaires c'est peut-être ça alors. Est-ce que ça marche en counter? Ça apparaît counter, c'est que c'est bon. Ouais. Donc si vous êtes pas sûr de ça, vous apparemment c'est celui-là le mieux. Est-ce que celui-là il passe en counter? Non, c'est lui qui a en counter. Ouais. De très loin, cette distance là, ouais. Le mieux c'est ça. Et à mi-distance, le mieux c'est ça. Ça marche pas tout le temps. Par contre. Non, ça marche pas tout le temps. Apparemment le jeu est pas facile. Sinon il y a celui-là aussi qui est pas mal. Sinon ce qui est bien avec elle. Là je vais pas m'éterniser dessus. Ce qui est bien avec elle c'est sa mobilité. Elle a, vous voyez, elle a une très bonne vitesse de déplacement. Par contre les dash arrière, les dash avant, j'aime pas trop. Par contre son dash spécial, il est vraiment bien, mais par contre il est pas du tout safe. Et celui-là ce qui est bien c'est qu'on peut faire ça. Et en plus, ça peut cross-up à la bonne distance. Ce qui est quand même assez excellent. En cross-up, elle a, comme vous voyez, elle a celui-là. Et elle a celui-là. Et sinon, dans le coin, il y a aussi ça qui est pas mal. Enfin, si je touche normalement, vous voyez, je peux passer derrière ou devant pour essayer de ça, pour faire une phase d'embrouille en fait. Donc, en gros, ouais. Et elle a un coup spécial pour recharger ses shurikens. Il y a vraiment le timing à faire. Parce que là, ça je joue pas tant que ça, donc... Faut vraiment attendre bas, hein. Ouais, donc apparemment il y a deux façons. Il y a soit je crois qu'on touche pas, le plus simple, et du coup on passe derrière. Enfin c'est le plus simple que j'ai trouvé, hein. Et après en combo de base il y a, vous voyez, il y a ouais. Dans le coin ça marche, ça c'est sûr, mais ici j'arrive pas. Ah si, ça passe. Vous pouvez commencer comme ça. Voilà.
Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi de sympa à partager? Elle a une chape aérienne aussi. Et en plus, il y a un moment d'invincibilité à l'atterrissage. Il y a quoi d'autre encore? Donc ce qui est bien pour faire un duel air-to-air, la chope, il faut en abuser. Sinon elle a plus le coup spécial comme ça, c'est devenu une chope. La chope en tenant en arrière. Et elle a ça. Et aussi maintenant elle a deux types de bombes. Et elle peut l'exploser. Elle peut l'exploser. Là vous voyez, il y en a une qui se fait assez rapidement. Celle-là, elle dure bien plus longtemps. Ah, ils ont changé le timing parce que la deuxième était toujours la plus lente en fait. Voilà, vous pouvez aussi la manipuler, ce qui est assez sympa. Et après, si vous balancez par exemple une bombe, vous pouvez l'envoyer dessus pour le poursuivre en fait. Utiliser un coup spécial. Seule chose, c'est que la première est très rapide, vous pouvez faire un combo, la deuxième vous pouvez pas en faire un combo. Donc c'est un peu plus... C'est un peu plus difficile. Bon. Sinon, en enchaînement de base, qu'est-ce qu'il y a? Le plus simple, il y a celui-là. Celui-là. Celui-là, on peut pas le cancel. Vraiment de loin, là. Parce que celui-là, il est pas du tout sec. Et on peut pas le cancel apparemment. Parce que j'avais vu une personne qui avait réussi à faire quelque chose. Mais... Non, on peut pas le cancel. Hein. Y a rien à faire. Là j'ai beau faire. Y a rien à faire. Y a rien à faire, je... C'est pas cancelable. Ça par contre c'est cancelable. Sinon... Elle a quoi aussi? Ouais bah ça c'est le target combo. Allez! J'y arrive pas. Déjà je vais enlever l'étourdissement. Config jauge. V-timer, jauge de santé. Ah, ça devrait être ça là. Critique à jauge. Non. Qu'est-ce que critique à... Non. Ouais, ça va être lié à personnaliser. Voilà, étourdissement. Pas étourdissement. Donc... Où j'en étais? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait avant, bas, et j'ai appuyé sur pied trop tôt. Ok.
je l'ai fait trop vite peut-être. Bon, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus, mais là, je sais pas, là c'est en galère. Dragon Punch, si ça va pas. Ça, j'y arrive. Ah, parce que je fais trop vite là. J'arrive pas à le cancel, j'ai un mal de fou. Même un quart de tour, c'est la guerre. Normalement, c'est cancelable. Ça, j'y arrive. Mais ça, j'y arrive pas. Ouais bon, bref, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, mais j'y arrive pas. Sinon j'avais vu quoi d'intéressant à faire, qui est facile. Par contre ça coûte une barre de EX, je vais remplir ma barre de EX. Voilà, vous pouvez faire avec le grand, si vous voulez voir les données d'attaque. Voilà, je peux faire avec le grand, ça fait plus de dégâts. Oh. Voilà, et ça marche dans le coin ou pas dans le coin. La différence entre dans le coin et pas dans le coin, c'est qu'il faut juste sauter en fait. Par contre, faut bien gérer les shurikens ou la distance, etc. Parce qu'au bout d'un moment, vous êtes vraiment très vulnérable. Il y a des personnes qui font tout pour que vous usiez tous vos shurikens et donc ça vous met plus en difficulté. Si, à part si, enfin, bon, chacun son style. Allez. Oh. J'avais vu ce style là qui était pas mal. Mais... Donc, critical maximum au départ. On peut faire un shuriken et intercepter ensuite. Non, ça passe pas.
Oh. Ah bah voilà. Enfin bref, là je l'ai montré. Vous le travaillerez chez vous. J'ai pas assez. Parce que là je suis. Franchement, c'est pas la forme. Mais... Ça fait un moment que j'ai pas joué. J'arrive même pas à faire un EX correctement. Ah, c'est horrible. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais vu sur internet? Ou que j'ai trouvé tout seul. Bon, déjà, là, le truc que j'ai fait, là, j'ai trouvé tout seul, celui-là. Ah. Ah oui, bah maintenant les enchaînements avec le V-Trigger. Donc. Donc avec le V-Trigger. Que le V-Trigger, il y avait quoi que j'avais vu de sympa? Voilà, et après je saute, je fais shuriken et je l'intercepte. J'enlève. Ouais, je vais faire d'abord le plus simple. Sinon, ouais, je vais faire l'autre. Ouais, il y a celui-là. Mais il y en avait encore un autre que j'avais vu. Ah oui, c'est ça là. Faut faire avec le Dragon Punch pied.
plus simple. Là. Ça, pour ça il faut maintenir le pied et le relâcher, mais aussi il faut avoir plein de shurikens. C'est ça qui est beau. Je vais faire un Dragon Punch, ça serait plus simple pour l'intercepter. Enfin, je crois. Serré pour c'est possible mais c'est trop serré. Celui-là je vais laisser tomber. Lequel, le média? Ouais, mais il faut une barre. C'est vrai que je voulais faire des enchaînements sans barre.
Bon. Ouais, le mieux c'est faire Dragon Punch, se rapprocher, faire un coup spécial en chopant. Moi je vois que ça. Ça passe pas. Ce qui passe, c'est le. C'est soit un Dragon Punch pied, soit la. La Critical Arts. C'est tout ce qui passe. Ça j'ai pas le temps. Ah là je tiens un truc. Là je tiens un truc. C'est pas ça. Dragon Punch, Dragon Punch. Ça passe pas, hein. Ah, je sais ce qui peut passer à la rigueur. Ça passe pas.
Je peux faire que l'atterrissage alors. Ouais, et j'ai trouvé qu'une seule chose hein, à faire, c'est celui-là. Hein. Enfin, quand je réussis. C'est pénible. D'accord, donc avec un petit Dragon Punch pied, c'est plus facile. Avec le grand pied Dragon Punch, c'est plus dur. On a même plus de temps pour le faire. Je vais voir avec un médium si... Non. Allez. La seule chose que je peux faire à la rigueur, c'est l'atterrissage, j'envoie ça, mais le délai est vraiment trop court. Hein. Ouais. Donc moi, ce que je propose en BNB de base, c'est... C'est celui-là. Il y a sûrement plus puissant, mais... Bon, sinon peut-être celui-là là.
Ah, celui-là il fait un peu plus mal. 355. 355. Enfin bref, tout ça pour résumer que Ibuki, ça demande beaucoup beaucoup de pratique, à part si vous êtes un champion né. Ibuki est carrément pas fait pour les débutants. Elle peut pas se servir des murs comme des persos agiles. Par contre, elle a ça qui est sympa pour sa mobilité. Et on peut utiliser un shuriken. On peut s'en servir aussi pour. Ah. On peut pas s'en servir pour donner un coup. On peut utiliser qu'un shuriken. Après ça. Ouais. Et vous pouvez pas vous retourner pour le faire. Ouais. Donc si vous faites pour traverser l'adversaire. Vous êtes dos à l'adversaire, donc vous êtes aussi vulnérable et votre garde elle est inversée. Donc vous êtes obligé d'inverser la garde à part. Mais non, bon, normalement la garde est située par rapport à la position de l'adversaire. Donc c'est assez bizarre. Donc ça peut passer au travers. Moi j'éviterai. Attention, si vous avez vraiment le temps ou c'est pas une personne avec qui vous pouvez vous moquer, mais contre un pro c'est pas la peine. Faudra trouver autre chose. Voilà. Sinon ils ont fait un trial pour elle. Je vous ferai bien du combat en ligne, mais bon c'est pour vous donner à peu près. Mon avis sur Ibuki, c'est vraiment pas un personnage facile facile. Si vous voulez débuter, il faut commencer avec un Ryu. Enfin, voir Camille à la rigueur, mais parce que Camille, elle est quand même super rapide. Elle a des combinaisons de combos pas trop trop difficiles à sortir. Mais il faut quand même un peu de temps. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des trucs de fou à sortir avec Camille, hein, mais c'est ça qui est bien, c'est que voilà, tandis que Ibuki, il faut être bon pratiquement tout de suite. Voilà. Bon, ben, je vous dis à une prochaine, à bientôt.